Welcome to Leadership Backstage, a series of unique conversations with leaders about their role today and tomorrow. Hi, my name is Tricia Schröder-Hohenwald. I am an executive coach, an organizational consultant, and the owner of DSH International HR. Another podcast about leadership, seriously? Yes, but somehow different. Over the years, I have been involved in lots of discussions about leadership. What it is, what it is not, what it will be, what it should be, and so on. But from my perspective, far too little open discussions have taken place with leaders about this subject. This is what I want to change here. I want to give leaders a voice, listen to what they say, and see what we can all learn from each other. And also, I have worked with many great leaders in the confidential space of our coaching sessions. But this time, it's not a conversation behind closed doors. The leaders here have accepted to share their thoughts openly, and I hope you will enjoy this backstage view on leadership. Hervé, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi de ce thème du management. C'est, je me souviens de conversations très passionnantes que j'ai eues avec toi il y a quelques années quand on a travaillé ensemble dans le cadre du développement managérial, un programme qui avait été proposé aux managers de la Banque Postale, où j'étais intervenue en tant que coach. Et puis quand j'ai commencé ce leadership podcast, je me suis dit j'ai envie de te parler, puis de te laisser parler surtout sur le sujet. Donc merci et bienvenue sur ce podcast. Et avant qu'on commence à rentrer dans les détails, dis-nous quelle est ta fonction actuelle. Alors actuellement, je suis directeur commercial au sein du réseau La Poste et la Banque Postale. D'accord. Directeur commercial avec une responsabilité, combien de collaborateurs et à quel endroit? Je sais que tu es en Lorraine. C'est ça, en Lorraine, le poste est basé en Lorraine, donc la responsabilité est sur tout le département de la Lorraine. Ça représente à peu près 200 conseillers commerciaux et 400 à 500 chargés de clientèle. Donc, une force de vente de 600 personnes avec un râteau managérial et des managers intermédiaires comme toute organisation. Et pour ma part, j'ai un râteau managérial direct d'une douzaine de personnes. Et ça va de la mise en marché bancaire, de la qualité de l'expérience client, de la téléphonie, des directeurs de marché divers et variés. Une belle responsabilité commerciale. Est-ce que tu as toujours été commercial? Est-ce que ça a été ton parcours depuis le début? Je crois que tu avais tout début un autre rôle, si je me souviens bien. Oui, alors c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique et des fois j'aime le dire, je suis un autodidacte diplômé parce qu'à l'origine, j'étais passionné un peu par les pompiers comme toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais j'avais commencé dans un métier d'électricien en fait. Oui. Voilà. Ensuite, ma passion de pompier m'a fait rencontrer cet environnement. J'ai été pompier privé, j'ai été pompier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et donc, j'ai tourné autour de cet environnement et à un moment donné, j'ai découvert l'environnement commercial par hasard, mais vraiment par hasard, dans la vente de tout ce qui est matériel de protection incendie. Donc, c'était un peu lié par rapport à ma passion. J'ai démarré comme ça tranquillement. L'entreprise s'appelait Est Protection pour rentrer ensuite chez AXA en tant que responsable de secteur, ensuite à Groupama, où là, j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui était ma directrice et qui à un moment donné, dans ma carrière, m'a dit « Hervé, c'est bien ce que tu as fait, l'énergie que tu peux y mettre. » Sauf qu'aujourd'hui, il te faut un parcours standard, donc universitaire, pour pouvoir évoluer. Donc, j'ai entrepris un BTS Action Co et pour finir sur un Master 2 en management. Donc voilà, donc oui et non, j'ai été depuis tout petit, je vais avoir 23 ans, depuis tout jeune, on va dire, dans le commercial et j'ai évolué comme ça jusqu'à aujourd'hui avec le parcours un peu atypique, mais ce qui est, je pense, une des forces de mon parcours parce que j'ai commencé par le bas, la vente et autres, donc ça m'a donné pas mal de clés de lecture par l'expérience. Oui, et quelle clé de lecture par exemple, qu'est-ce que tu as appris sur ton parcours hein? Je sais que moi j'ai eu la chance beaucoup, pas toujours, mais beaucoup d'avoir des managers qui étaient passionnés par leur métier,
qui avait envie, qui savait, et je le dis souvent, avoir la casquette du manager et la casquette de l'humain. Donc, voilà, je me rappelle d'un manager chez AXA où il pouvait dire des choses peut-être des fois difficiles à entendre, notamment sur des résultats ou de la performance ou autre. Mais une fois que la porte de la réunion était fermée et qu'on allait au restaurant, c'était Maurice et Hervé qui discutaient ensemble et non pas le directeur régional avec son collaborateur. Donc, là, donc, et je sais que j'ai toujours apprécié ce type de relation que j'appelle une relation sincère. Voilà, où on peut se dire les choses avec exigence dans le cadre professionnel et de la mission, sans pour autant ne pas reconnaître les valeurs de l'humain que l'on a en face de soi. Et ça, je sais que moi, ça m'a toujours animé. Et par expérience, ça anime beaucoup de mes collaborateurs. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le rôle commercial? C'est une bonne question, en fait. Moi, j'ai toujours aimé l'échange, en fait. J'aime bien les personnes, j'aime bien le contact humain en sens général. Et pour moi, le commercial, enfin, j'en suis convaincu, je sais que tout le monde ne l'est pas, mais le commercial, dans sa nature, est utile aux autres. Normalement, si on croit sa entreprise, si on croit ses valeurs, si on croit aux produits ou services que l'on commercialise, en fait, on est un apporteur de solutions. Alors, toute modestie gardée, je compare souvent le mode commercial un peu à un médecin. Je dis, il y a le médecin qui voit ses patients 5 minutes et puis j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane et voilà, et l'affaire réglée. Et le médecin qui peut être un peu plus long et des fois agaçant parce qu'il est en retard, mais qui prend le temps de t'écouter et puis t'apporter le bon conseil et le bon traitement par rapport à la problématique que tu peux avoir. Donc, en fait, il y a le médecin du tout va, donc le commerciaux, je dirais, les commerciaux qui sont finis, et le commercial de valeur avec de l'expérience client, de l'émotion et la recherche de solutions pour les clients. Et je dis toujours, moi, un bon vendeur, en fait, ne vaut rien. Si l'expertise est là, si le conseil est là, il n'y a pas de raison que l'on ne vende pas. Donc, ça me plaît bien. J'ai vraiment, à chaque fois, l'impression d'être utile. C'est peut-être une impression par passion, mais c'est vraiment le sentiment que j'en ai. Il est Donc, sympa. voilà. Ben, pareil, parce qu'en fait, tout ce qui gravite autour des sapeurs-pompiers, puis mon investissement aussi à l'IAE, donc où j'avais fait mon master en formation continue en 2004. Aujourd'hui, j'y interviens, donc je lui donne des cours depuis 2006. Tous les ans, je pilote des groupes projets donc de jeunes étudiants et je suis président des anciens. Donc, voilà, comme ça. Donc, je gravite toujours autour de ça. Et ce qui me plaît bien, c'est d'être utile parce que, voilà, il n'y a pas de réseau suffisant, le réseau des diplômés. Et la volonté, c'est l'objectif affiché, c'est qu'on ait demain suffisamment d'entreprises partenaires pour pouvoir fournir aux étudiants et même aux diplômés des offres d'emploi et des stages et autres. C'est vrai que ma volonté, moi, c'est de fournir tous les ans minimum 200 stages et une cinquantaine d'emplois. Donc voilà, donc là, il y a cette utilité. Les pompiers, c'est pareil. Je le dis souvent parce qu'on nous considère souvent comme un peu des super-héros parce qu'on va au feu, on fait des choses, mais bon. C'est des choses comme toujours, avec de l'entraînement, il n'y a pas de choses extraordinaires en soi, c'est juste de la passion et de l'engagement. Mais enfin, moi personnellement, où souvent, quand je rentre et j'ai beaucoup de satisfaction, c'est simplement, je prends un exemple, une petite mamie qui est tombée de son lit, qui n'a pas besoin de soins au demeurant, mais voilà, et quand tu l'aides à se relever, puis elle te remercie pendant 10 minutes, et ben, ça t'égaye ta journée, quoi. Enfin, pour moi, c'est le sentiment d'être utile, et d'ailleurs, j'en fais un de mes leviers managériels, hein. Voilà, cette conviction de servir quelque chose, c'est un vrai moteur pour accompagner les autres, à condition d'être convaincu soi-même. Et je vois mon petit groupe là d'étudiants cette année qui m'accompagne avec les alumni. La première chose que je leur ai expliqué, c'était le sens de leur mission et l'objectif lointain et pourquoi c'est important qu'elles ne le portent pas comme un projet d'étude pour avoir une bonne note, mais elles étaient porteuses d'une vraie mission. Et c'est juste magique, quoi, les rapports que j'ai avec eux. Voilà. C'est sympa. Et cette magie de la relation humaine, j'essaie toujours à la construire. Je l'ai avec mon équipe. Alors, je dirais comme dans un couple ou comme dans entre amis, il y a des fois où il y a des tensions, mais et cette sincérité, justement, le fait de pouvoir se dire les choses, mais comme on les pense, mais en respectant l'autre et l'autre sachant qu'on le respecte, ben c'est plutôt bon. Moi, j'ai lu une phrase il y a pas longtemps qui m'a fait sourire. C'est alors, je ne vais pas prendre l'acronyme parce qu'il était un peu vulgaire, mais les fausses confrontations engendrent de faux consensus. Et c'est vrai. Donc, oser se parler sincèrement, avec le grand respect. Puis, enfin, donc voilà quoi. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, c'est très clair et c'est très beau. Et Je suis convaincu. Hein. oui, je l'entends, je le vois aussi. Hein. Je t'ai vu interagir avec tes collègues
et je le sens aussi. Et d'où ça vient, ces valeurs, ce besoin d'être utile, mais presque à tout prix, parce que tu t'investis dans des domaines tellement différents, avec des personnes tellement différentes. D'où ça vient, ce moteur, avoir besoin d'être utile? Je sais pas, je dirais peut-être que c'est mon papa, parce qu'il avait des vraies valeurs. Et c'est vrai, mon père, on a toujours dit, c'est pour ça que j'avais commencé comme électricien, il faut que tu respectes les gens, il faut que tu travailles. En gros, peu importe ce que tu fais, il disait souvent ça. Et c'est vrai que mon papa, enfin, voilà, je me rappelle, moi, j'habite dans un petit village, on avait, et c'est une vraie histoire en plus, on avait le SDF du village, et tous les hivers, on le faisait dormir à la chaufferie, à la cave, on lui redonnait le petit déjeuner du matin pour pas, enfin, l'hiver. Donc voilà, donc je pense que, c'est génétique, est-ce qu'il y a de l'ADN, est-ce qu'il y a, je sais pas, mais enfin, je pense que ça va de là en grande partie, quoi. Oui, un bel exemple. Donc, à la maison. Et c'est vrai que je m'en souviens bien avec même la couleur du verre qu'il avait, enfin, le plein de choses. Et c'est vrai que je le dis souvent, j'arrive pas à la cheville de mon papa, enfin, sans me dévaloriser. C'est, voilà, c'était une belle personne et j'ai vraiment envie, d'être une belle personne parce que je pense que, et même si on était égoïste, ça donne tellement de bonheur pour soi que c'est sympa. Donc voilà, donc en fait, le fait de donner aux autres, on reçoit beaucoup. Donc, et sans le mesurer, mais voilà, moi, je connais beaucoup de personnes, quand elles ont fait quelque chose de bien, elles en sont contentes. Donc, soit on attend que l'occasion se présente, soit on provoque les occasions pour faire du bien à tous les niveaux. Quoi, donc. Donc voilà. C'est très beau, merci. Merci pour ce partage. J'aimerais qu'on revienne à ton parcours managérial. Oui. Et si tu es d'accord, tu as parlé de cette personne qui t'a influencé, cette femme qui t'a influencé dans tes études. Il y a eu d'autres influences et d'autres leçons probablement dans ton parcours. Qu'est-ce que tu as appris? Quel était ton premier rôle de management et qu'est-ce que tu as appris? Quelle était ta plus grande leçon dans ta première fonction? Encore une femme. c'était mon poste. Mon premier poste chez AXA, où quand j'ai commencé à avoir une équipe, parce qu'au début donc j'étais commercial et puis le deal était clair, hein, c'était quelqu'un de très franc aussi, avec qui je suis encore en rapport d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a vécu des bons moments. Quand je suis passé en équipe avec une petite équipe de 4-5 personnes, le début était un peu compliqué. Voilà. Puis à un moment donné, je me souviens qu'on faisait un petit point sur les résultats du mois et les résultats étaient moyennement au rendez-vous. Et je commence à expliquer gentiment que, voilà, tu vois, c'est parce que Michel n'a pas fait ci, c'est parce que là, il n'a pas, et lui, il veut pas, lui, il fait pas. Puis elle m'écoutait bien sagement, et puis à un moment donné, elle finit par me dire, Hervé, est-ce que tu es en capacité de les former? Je dis, dans l'absolu, oui. Hervé, est-ce que tu es en capacité de les remplacer? Je dis, dans l'absolu, oui. Puis, comme ça, elle m'a posé des questions sur mon équipe. Et à la fin, elle a fini par dire, donc, en fait, le problème, c'est toi. Donc, je me souviens bien, parce que je me suis dit, mince, ça. Et quand je dis mince, le mot était plus fort quand je l'ai pensé à l'époque. Ouais. Je me suis dit, elle n'a rien compris. C'est du grand n'importe quoi. Donc, je suis rentré un peu fâché le soir-là. Et puis, le lendemain, là aussi, on voit que la nuit porte le conseil. Je me dis, quelque part, elle n'a pas tort. En fait, c'est vrai que ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire. Donc, à un moment donné, il faut que j'arrête de me plaindre de mes équipes. Alors, il y aura toujours une proportion, même si on prend la loi de Pareto, des collaborateurs qui n'auront pas envie, qui ne voudront pas, qui seront là pour une raison alimentaire, et ça se respecte, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais globalement, si toute l'équipe n'est pas au rendez-vous, le problème, il n'est pas de l'équipe, il est du manager. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à, et ça, c'est aussi pour moi, c'est une valeur sur leadership ou autre, c'est la remise en cause. Voilà. Moi, je dis toujours, je ne suis pas bon, mais chaque jour, je progresse. Comme ça, au moins, quand on me dit que je ne suis pas bien, il n'y a pas de souci. Et mes collaborateurs, là, je leur demande de me dire ce qu'ils pensent régulièrement. Alors, au-delà du 361 qui est connu, hein, quand il y a des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, que ce soit sur du fond ou de la forme ou autre, ils ont le droit et même le devoir de me le dire. Et souvent, c'est des malentendus ou autre chose, on en parle et ça revient à la transparence. Et voilà, donc en fait, la remise en cause, elle me l'a prise d'une manière un peu violente, parce que je vais avoir quoi, 25, 26 ans. Mais voilà, elle avait totalement raison en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as commencé à changer comme comportement? Qu'est-ce que tu as fait autrement après ça? Et bien là, après, tu commences à regarder pourquoi celui ou telle personne ne le fait pas. Et commencer à individualiser l'approche, à être plus attentionné. La personne qui n'y arrivait pas, est-ce que c'est plutôt parce qu'elle ne sait pas faire?
Est-ce que c'est parce qu'elle ne veut pas? Est-ce que c'est elle n'a pas compris l'objet de la mission? Est-ce que d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre? Et d'ailleurs, sans cela aussi, le master a été utile, puisqu'il y avait pas mal de psychosociaux et de RH. Donc là, d'arriver à avoir la grille de lecture, voilà, comme la motivation autodéterminée. Enfin, il y a même Vroom qui parle, voilà, si on ne comprend pas le sens, si on n'a pas envie, si on n'a pas la compétence, on ne peut pas y aller. Et en fait, tout ce que j'ai appris, même après, ça a confirmé ce que j'essaie de mettre en œuvre. Donc, la personne qui ne savait pas faire, eh ben, je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse faire. J'étais plus avec eux que le patron en train de leur dire « Vas-y, fais, puis si tu fais pas, ça ne va pas. » Donc, à essayer de comprendre avec de la tolérance et de la patience des fois, hein, même si moi, je suis plutôt de nature impatiente. Donc, voilà, donc à plus essayer de comprendre comment l'autre fonctionnait et pourquoi, plutôt que d'essayer de dupliquer mon fonctionnement. En gros, voilà. Et ce qui n'était pas évident, parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est que ça m'avait chamboulé pendant bon, quelques mois. Et voilà, et puis même là, ça a créé des rapports humains différents. Quoi. Ouais. C'est, ouais. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont su me dire les choses aussi. Quoi. Ouais. Magnifique, ça. C'est... Et puis des personnes avec qui tu es encore en contact. Ah oui, 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 oui. Ça veut dire ouais. Le retour que tu avais reçu et la façon dont elles l'ont fait et ce qu'elles ça t'a apporté, c'est resté encore de manière positive dans ta mémoire. C'est, Ah oui, c'est non parce que c'est vrai que sur le coup c'est positif parce qu'en plus c'était j'avais trouvé ça violent quand je voilà, du style elle comprend rien, quand elle veut pas comprendre et non en fait. Voilà. Et puis bien bon, mon manager à Groupama était un peu pareil, une femme. Hein, de caractère, qui savait dire les choses, mais pour te faire grandir, et à un moment donné, c'est ce que j'appelle, moi, entre la bienveillance et l'exigence, donc elles m'ont montré de manière concrète ce sur quoi j'ai mis des mots ensuite. Quoi. En gros, on parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui, et encore fond, bienveillance, c'est bisounours, souvent, je dis souvent. Alors que la bienveillance, c'est aussi avoir beaucoup d'exigences, et voilà, les deux personnes là, dont on vient de parler un tout petit peu, ont été hyper exigeantes. Michel, par exemple, quand elle m'a dit qu'elle était à Groupama, quand elle m'a dit, ben, il faut que tu aies un parcours, il faut que tu t'inscrives, tu te débrouilles. OK, donc j'ai rencontré un ingénieur d'études, on a fait un profil, il m'a dit, engagez-vous dans telle voie. OK. J'étais fier de lui dire, écoute, ça y est, je suis inscrit à l'université, j'ai eu le test, je suis passé. Il me dit, ben, tu sais, Hervé, une formation diplômante, c'est pour être diplômé. Et autant que faire se peut avec une mention. Je suis OK. Donc elle m'a mis une belle pression, une belle exigence. Par contre, elle savait m'accompagner quand j'avais besoin. Donc voilà, donc. La bienveillance, c'était plus dans l'accompagnement et me faire grandir que t'inquiète pas Hervé, on est dans un monde de bisounours et tout va bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et c'est vrai que ça au début, je ne comprenais pas. Et ce que m'a apporté l'école, et je le dis souvent, on devrait tous en fait commencer par travailler 5 à 10 ans et découvrir comme ça et se prendre trébucher comme un enfant, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe. Et après, on te dit, on t'explique pourquoi t'es tombé, on te met des théories et des approches, et là, tu te dis, mais oui, pourquoi? Et c'est ce que j'aime bien quand je fais de la formation continue aussi. Encore une dernière fois, sur le Luxembourg, un étudiant, enfin même deux, m'ont dit, mais pourquoi on n'a pas su ça avant, quoi? Ouais. Quand les étudiants en formation continue disent ça, là, tu dis, ça y est, je leur apportais quelque chose. Ils ont une grille de lecture d'un comportement qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et ça, ouais. C'est juste magique. C'est très, très juste, oui. Maintenant, tu as bien sûr progressé dans ton expérience, dans ta carrière, dans l'impact que tu as aussi dans l'entreprise. En quoi est-ce que ton rôle de manager a changé? Parce que maintenant, tu n'as pas une équipe de 4 ou 5, tu as 600 personnes, tu manages des managers, qui est encore un autre rôle. En quoi est-ce que c'est différent? Ou en quoi est-ce que c'est pareil? Alors, le gros défi de mon poste actuel, parce que j'ai intégré la Banque Postale en 2006, où j'avais pris la responsabilité d'une région avec 4 centres d'affaires, après une deuxième région avec 2 centres d'affaires, et j'ai terminé à la Banque Postale en étant le directeur du réseau des centres d'affaires. Donc là, j'avais 150 commerciaux avec des managers opérationnels, mais directement sous ma ligne hiérarchique. Donc en fait, j'étais le patron direct des commerciaux. Là, je dirais que ça se passait bien, parce que j'avais la main pleine et entière, et je pouvais descendre jusqu'au commercial. Là, la difficulté du réseau, enfin, qui est même pas une difficulté, mais c'est une approche différente, c'est que j'ai la hiérarchie sur la ligne
d'expertise, donc tout ce qui est direction de l'expérience client, direction de la vente, direction, enfin, toutes les directions que l'on a. Mais il y a des managers opérationnels où là, moi, je suis en management transversal. Donc, ça complexifie la chose. Donc, et là, en fait, il faut plus travailler par sens, par envie, pour trouver des clés, pour aller toucher au bout du bout, sans à un moment donné pouvoir justement avoir l'exigence du manager, du poids hiérarchique. Et c'est là où c'est complexe, où je travaille encore d'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé toutes les solutions. Tu l'as compris, là, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est l'envie. Et l'envie est donnée beaucoup par le management au quotidien. Il y a des personnes qui ont envie, d'autres qui ont moins envie. Et là, je suis en train de travailler sur comment contaminer l'envie jusqu'au bout du bout. Donc voilà, j'ai une équipe de 20 commerciaux là où j'ai identifié globalement, ils ont cette philosophie d'être utile, rendre service aux clients. Donc, je les ai identifiés pour les sortir, donc je vais commencer à les animer en janvier. Et on va créer ensemble comme ça un réseau social interne de l'envie, où en fait, ils vont poster régulièrement, et le plus souvent possible, à quel moment ils se sont sentis utiles. En gros, je me suis senti utile aujourd'hui parce que j'ai accompagné un étudiant dans son pré-étudiant, j'ai accompagné un jeune couple dans leur maison, j'ai préconisé un contrat de prévoyance et malheureusement, l'incident a eu lieu, mais heureusement que j'avais mis ça en place. Essayer de contaminer l'envie avec eux. Donc là, mon défi aujourd'hui, il est là. C'est, comme on l'a dit, il y a à peu près 600 commerciaux sur lesquels j'ai pas la hiérarchie directe. Donc comment je peux, et en plus, je pensais que la Lorraine, ça va être plus facile parce que le périmètre, c'est plus court et en périmètre géographique que le national. Mais c'était plus simple d'être en direct sur 200 personnes au niveau national que sur 600 en indirect sur la Lorraine. Ça peut être le paradoxe. Donc voilà, donc comment contaminer, alors parce qu'on parle aussi de digital, donc voilà, j'essaie de mixer les deux avec du réel, des réunions physiques, en gros, leur dire soyez contagieux, quoi. Donc ça là, c'est ce que je vais lancer rapidement là, dès janvier. Et c'est là où mon défi, la chose est un peu complexe. Et c'est ce qui me plaît en même temps. Comment est-ce que ça se passe? Ça ressemble à une organisation matricielle, hein? Oui, complètement. Oui. Ce que tu décris. Comment est-ce que ça se passe avec les managers directs de ces commerciaux? Comment est-ce que le travail, la coopération fonctionne? Elle fonctionne bien, heureusement. Sinon, ce serait compliqué. Non, on se voit régulièrement quand on a des problématiques et puis on organise régulièrement, enfin au minimum une fois par mois, en collectif, la vision que l'on a des résultats ou des actions à mettre en œuvre ou autre et on se met d'accord sur ce que l'on fait ensemble. Voilà. Globalement, ça se passe bien. Parce que l'idée, et c'est vrai que je le dis souvent, le directeur commercial au réseau, c'est plus le hub, c'est le coordinateur de tout, quoi. Et le défi est là, et on essaie de mieux en mieux se coordonner avec les personnalités de chacun, et voilà. Et donc, et là, on a bien progressé, parce qu'on a une nouvelle direction depuis un an, et donc il faut le temps que les gens se comprennent, se connaissent, avec les qualités de chacun, et puis voilà, les défauts, clairement, j'ai mon tempérament, d'autres leur tempérament, et ça se respecte, il n'y a pas de sujet, mais voilà, si on prend par rapport, par exemple, l'approche par les couleurs, on voit bien que, voilà, moi je suis plutôt rouge-jaune, et si je parlais à bleu, ça, voilà, le bleu, je vais vite le fatiguer, et le bleu, lui va vite m'agacer, quoi. Donc, voilà. Donc, on a commencé à se connaître, et puis, non, ça se passe de mieux en mieux, aujourd'hui, où je suis content, on arrive, parce que, comme dans beaucoup de grosses structures, on est bien, à dire les choses, exprimé de manière politique. Aujourd'hui, on commence à oser se dire les choses telles qu'on les pense, donc à rentrer en confrontation, mais respectueuse. On commence à rentrer dans des vrais consensus et par construction dans une décision collective qui est réelle et qui n'est pas un faux consensus. Voilà. Et ça, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, on est à l'état où allez, le poussin est sorti de l'œuf. Maintenant, il faut que la poule grandisse, quoi, si je fais l'analogie. Ce mode de communication que tu décris, est-ce que c'est la culture d'entreprise ou c'est ton style de communication? Comment est-ce que les deux vont ensemble? Alors, les deux, parce qu'on a une culture, c'est vrai que la poste, est, là, on est passé d'une culture de l'usager à une culture du public. Aujourd'hui, pour juste un exemple, avant, on appelait ça, donc les bureaux de poste, on appelait ça, je crois que c'était l'espace d'accueil du public. Aujourd'hui, on appelle ça l'espace de vente. Voilà. Donc, on n'accueille plus,
l'espace d'accueil des usagers. Aujourd'hui, c'est un, voilà. Et on est passé d'une entreprise qui était administrative, on va dire, à une entreprise qui est purement commerciale. Donc la culture, on voit, et c'est que ça change pas, ça se décrète pas comme une action. Hein. Donc il y a encore des restes de culture de moins en moins. Mais voilà, avec l'organisation pyramidale, avec une hiérarchie encore assez présente, avec comme on peut le voir et dans les pompiers. Et encore, je dis souvent, quand des choses m'agacent, je dis dans les pompiers, il y a moins encore de galons que des fois chez nous. Voilà. Donc ça se passe tout doucement. Mais c'est vrai que, en toute honnêteté, je suis encore un peu, je dirais des fois, comment je pourrais dire, un peu hors culture, quoi. Je suis un peu le chien fou, le chien fou, parce que voilà, il faut que ça aille vite, j'aime bien bouger, je suis 100% orientation client commercial, donc des fois ça se bouscule un tout petit peu. Et voilà, mais c'est la volonté du groupe, et on y va, et on fait des belles choses. Mais c'est vrai que par moments, je vois que voilà, que la culture de gros groupes, hein, où on peut faire des réunions sur des choses, on pourra en parler pendant 2 heures, quand 5 minutes, enfin, l'action ou la réponse paraît évidente à tous. Voilà. Donc cette culture-là, moi je suis plutôt, je dirais, dans une culture anglo-saxonne qui va se confronter à une culture pas plus administrative, ce qui n'est pas vrai, mais qui vient de là, quoi. Une culture qui va vers le commercial, alors que j'ai plutôt une culture commerciale anglo-saxonne, donc la jonction des deux, et ce qui est bien. Et ce qui est bien, parce que moi, ça m'a permis aussi de me poser, d'apprendre la patience. Hein, j'ai appris un peu de patience. Puis, voilà, ma qualité, mon défaut, c'est peut-être d'être trop dans l'action immédiate. Et grâce à eux, j'ai appris un peu de patience. Et puis, eux, grâce à moi, ils sont moins patients, ils y vont un peu plus vite. Hein, donc, et c'est cette combinaison-là qui a été, l'ajustement-là, la synchronisation, là, je veux dire, qui était peut-être complexe à trouver. Aujourd'hui, on l'a trouvé parce qu'elle a créé par moi de certaines tensions qui ne sont plus aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est ce qui est sympa, moi. Voilà. Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours quand j'avais été recruté à la banque postale, une phrase qu'on m'avait dite à un moment donné, elle me dit, en gros, t'es là un peu pour aussi secouer la fourmilière, pour voilà, un peu mettre un peu la folie que t'as en toi, un peu chez nous, quoi. Donc, voilà. Et ça a eu, voilà. J'ai eu quelques soucis au démarrage avec ça, parce que voilà, moi, si on me dit mets de l'énergie, je mets de l'énergie. Alors, j'y suis allé un peu vite par moment. Donc, mais c'est ce qui est sympa, justement, d'être confronté à une culture différente et d'apprendre. Et pareil, et je suis beaucoup plus, un peu plus bleu que je ne l'étais avant, parce que hein, les process, l'organisation, j'ai un peu plus de patience. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge ou la sagesse, mais ça m'a apporté ça. Et voilà, moi, c'est vrai que souvent, on me dit tiens, ça, c'est du Hervé, parce que c'est un peu mon grain de folie, hein, que j'apporte. Parce que, avec sincérité, j'ai envie d'y aller, je leur dis. Et puis, voilà, même quand je sens qu'il y a un peu de résistance, ça m'empêche pas de dire, allez, on y va, et on se fait plaisir, quoi. Ce qui est très beau aussi, c'est qu'une culture d'entreprise qui est peut-être différente de la manière dont toi tu opères, sans aussi l'intérêt d'avoir quelqu'un comme toi dans l'organisation et de quelqu'un qui pousse et qui a toute cette passion et ce rouge comme tu le décris pour faire avancer les choses et c'est une belle combinaison de forces finalement hein, si on reste dans ces couleurs le bleu et le rouge hein. Voilà. Si on compare tes activités, ton rôle de management avec les sapeurs-pompiers, je crois que tu es responsable d'une caserne. Ça, je suis chef de sort d'une caserne de pompiers, ouais, depuis l'an 2000, en fait. Enfin, je suis pompier depuis l'âge de 16 ans et j'ai pris la tête d'un centre de secours depuis 2000. Depuis 2000. Et donc, si tu compares le management dans un centre de sapeurs-pompiers et le management dans le cadre dans lequel tu évolues aujourd'hui, professionnellement, quels sont les points communs et les différences? La grande différence, c'est que, après, voilà, c'est une autre complexité, mais la grande différence, c'est que dans les pompiers, il y a une barrière ou un mur, et on fait bien la différence entre le commandement et le management. Par exemple, en opération, on n'a pas le temps de manager. On pourrait dire, si on parle de leadership hyper directif. C'est normal, parce qu'en opération, si on est sur un feu ou autre, on n'a pas le temps de faire des réunions pour décider. Donc, le chef dit et les autres exécutent. Voilà.
On pourrait dire que, en gros, les autres ne sont pas payés pour réfléchir. Ils ont appris des mises en œuvre, ils ont appris des règlements, des gestes, et à nous de décider quel geste ils mettent en œuvre à quel moment. Et là, après, on peut débriefer, voir si on a fait le bon ou le mauvais choix, mais là, on est du commandement pur. La vie de tous les jours, là, on est dans du management. Et de plus en plus, auparavant, il y avait une vieille phrase quand j'ai fait, quand je faisais le de Paris, on disait toujours, si tu sais pas lire, tu sais compter, en faisant allusion au galon qu'il y avait sur la poitrine. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Voilà. Aujourd'hui, et surtout de la génération qui sont arrivées, les jeunes n'ont pas besoin d'un petit chef et surtout ils n'en veulent pas. Voilà. Donc ça a forcé, je dirais, les vieux officiers à se remettre en question. Alors, il y en a toujours quand même mal, mais d'autres qui ont bien compris la chose. Et la grande différence, et c'est là aussi où ça m'enrichit pour le au quotidien, parce que 80% des pompiers en France sont des volontaires. C'est 70% de la réponse au secours, donc ça veut dire que, si je résume, 7 camions rouges sur 10 qui passent, c'est un équipage de pompiers volontaires. Donc c'est un enjeu qui est juste important, parce qu'il y a ça doit être des professionnels en termes de posture. Aujourd'hui, ce qui est normal, une personne, ça l'appelle les pompiers, elle veut pas savoir si c'est des pompiers volontaires ou des pros, elle veut juste des pompiers qui savent faire leur boulot. Donc il y a un niveau d'exigence qui est élevé, mais en même temps, les personnes qui s'engagent dans cet engagement citoyen, c'est pas leur vie. Donc moi j'ai besoin beaucoup d'eux, mais l'exigence elle doit être élevée. Donc c'est toujours ce juste équilibre entre je suis exigeant mais je suis bienveillant. Donc c'est la grande différence, c'est qu'on est beaucoup plus proche des gens en termes de social ou autre. Je passe quelques moments à aider un jeune parce qu'il a un problème avec ses parents ou voilà. Il y a une immersion dans la vie privée qui est différente. Parce qu'on est tellement proches, on vit tellement de choses ensemble, mais en même temps, là, la bienveillance, elle est juste importante. Et l'exigence, elle est juste essentielle, sinon on n'est pas efficace. Moi, ça m'arrive, moi, et je le dis souvent, mais d'ailleurs, ça reboucle à ce que j'avais dit. Il y a encore un jeune la dernière fois que j'aime beaucoup, qui est bien, qui est engagé, il a 22 ans, enfin, il n'y a pas de sujet, sauf qu'à un moment donné, il a pas exécuté un ordre. Il était clair. En plus, il m'a demandé s'il pouvait, je lui ai dit non, 3, 4 fois. Voilà, la décision qu'il a prise, elle aurait pu avoir de graves conséquences. Donc, je lui dis, écoute, je suis désolé, je t'aime bien, mais la prochaine fois que ça arrive, c'est au revoir, c'est radiation d'office. Et moi, j'en serai le premier triste. Mais cet équilibre entre moi et Hervé, ça m'embête ce que je vais te dire parce que, voilà, je t'aime bien, mais à un moment donné, il y a des décisions que je suis obligé de prendre en tant que patron parce que je vais expliquer aussi pourquoi, parce que punir sans expliquer, ça rime à rien. Et je l'ai emmené à réfléchir de lui-même, bah, tiens, si c'était passé ça, ça aurait été quoi la conséquence? Hein, l'emmener à, alors, c'est Vemrej qui avait travaillé le premier sur l'entretien d'explicitation, mais de l'emmener par lui-même aux conséquences que ça aurait pu emmener. Et par construction, dans quelle enfin, décision il m'oblige à prendre. Et je pense que les pompiers, ça m'a beaucoup fait travailler là-dessus, de faire comprendre à l'autre qu'en fait, ma décision, je suis juste obligé de la prendre, parce que si je la prends pas, je suis commis, je fais pas mon job. Mais voilà, il y a des valeurs de famille, il y a des valeurs qu'on apprend beaucoup des pompiers, surtout volontaires, et même dans les pompiers de Paris, c'est voilà, là, ça renvoie beaucoup d'humilité parce que seul on fait rien. Il y a une phrase qu'un ami m'avait dit encore il n'y a pas longtemps, il me dit le loup n'est rien, non, le loup ne vaut que dans la meute. Voilà. Et c'est vrai, t'as beau être un meilleur chef avec pas une bonne équipe, il fera tout seul. Quoi. Un mauvais chef avec une excellente équipe, il fera tout. Donc voilà, ouais, donc si mais là, encore une fois, il faut pas qu'il y ait d'ego parce que il y a des chefs qui veulent vraiment être le meilleur sur tout. Moi, si mon équipe est meilleure que moi, je n'ai pas de sujet, au contraire. Au contraire. Et là, au moins, plus ils sont bons, ben moi j'ai de soucis, plus je peux déléguer, plus il y a de performance collective. Ouais, mais après, il faut accepter juste de perdre du pouvoir à un moment donné. Parce que à temps, le sachant était celui qui avait le pouvoir. Moi, pour moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que l'équipe, elle fonctionne ensemble. Je dis souvent, je vire ceux qui ne s'intègrent pas dans l'équipe. Je préfère garder un incompétent qu'une personne qui va me pourrir l'équipe. Celui qui pourrit l'équipe, lui, je préfère m'en débarrasser parce que je pense que notre rôle aujourd'hui, il est là, c'est de créer cette magie d'équipe et de faire en sorte que l'équipe puisse fonctionner sans toi et d'être le régulateur des conflits, le régulateur de l'envie, le régulateur des bons moments ensemble et d'impulser par moments comme ça, ouais, ces petits trucs-là, hein, quoi. Et ça, dans les pompiers, c'est exactement ça, quoi. J'entends beaucoup de similarités avec la manière dont tu fonctionnes aussi.
dans ton rôle de manager à la poste, hein, c'est en tant que commercial. Est-ce que tu peux choisir 3, 4, 5 mots qui sont des mots-clés que tu vois qui sont en commun entre les deux? La confiance, parce qu'on n'a pas le choix. Mmh. Parce qu'en plus, voilà, les journées sont tellement dans mon job, les journées sont tellement longues qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, si on ne fait pas confiance à un moment donné, ben, soit on ne dort pas des nuits au gafou, et dans les pompiers, on n'a pas le choix, parce que quand tu es chef en mission, tu envoies tes binômes faire une reconnaissance et te rendre compte de ce qui se passe, et c'est en fonction de ce qu'ils disent que tu prends des décisions. Mmh. Là, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas aller au cœur de l'événement à leur place. Donc, à un moment donné, c'est ce qui te remonte, eux, sur lequel tu prends une décision. Donc là, la confiance, pour moi, c'est juste incontournable. Même si des fois, on dit la confiance. Pardon. Dans les deux mondes. Dans les deux, oui. Parce que moi, j'ai pas le temps de ne pas avoir confiance à mon équipe à la poste. Et je peux pas ne pas faire confiance à mon équipe dans les pompiers parce que Vincent, je suis obligé de prendre en compte ce qui me remonte. Donc voilà. Donc, je pense que la confiance, en plus, c'est un élément qui est beaucoup attendu par les collaborateurs. L'exigence dans les deux parce que, ça peut être le paradoxe, moi, avec mon équipe, on rigole souvent, c'est sympa, c'est... mais en même temps, il faut être exigeant parce qu'on a un job, on a une mission, on doit la mener du mieux possible, on a le droit à l'erreur, mais pas le droit de ne pas faire. Ouais, et les pompiers, pareil. Et dans les pompiers, on a devoir de moyens, comme on dit, pas devoir de résultats. Heureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Et ben, ce devoir de moyens, pour moi, l'exigence, elle est incontournable. Et je dis souvent à mes collaborateurs, et ceux que j'avais même joué en direct, je pardonne l'absence de résultats, mais je pourrais pas pardonner la non-mise en œuvre de moyens. Mmh. Hein, en gros, même les vendeurs, t'appliques la méthode, tu sais pas le faire, tu n'as pas le résultat, c'est pas grave en soi, il faut attendre l'apprentissage, donc on va t'accompagner pour. Par contre, tu mets pas en œuvre, là je vais devenir méchant. Voilà, parce que le manager aussi, il faut qu'il sache prendre des fois des décisions difficiles, mais si tu mets en œuvre, tu as la bonne volonté de faire, il n'y a pas de débat. On va t'accompagner pour que tu puisses réussir. Donc voilà, donc, l'exigence sur la mise en œuvre, la confiance, savoir s'effacer, ça j'aime bien aussi parce que j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit mon équipe qui soit en avant plutôt que moi. Je vois même dernièrement dans mon job, donc on a mis une chose en place sur la Lorraine, ça a été remarqué par le National, donc ils veulent s'en inspirer et j'ai été beaucoup aidé parce que c'est un outil informatique, c'est une aide à calcul par une personne qui lui est juste fan de Excel, il adore ça. Donc j'avais fait un truc comme je pouvais avec mes petits doigts. Je lui ai dit, tiens, Gilles, est-ce que tu pourrais regarder si les macros sont bonnes, si ça, et puis à la limite, si tu peux mettre un petit coup de belle couleur, ça serait sympa. Il m'a fait un truc juste extraordinaire. Donc, je lui ai dit, écoute, Gilles, ben, poste-le comme je sais plus comment ça s'appelle, ensemble nos idées ou un truc comme ça. Je lui ai dit, poste-le et porte-le, quoi. Parce que voilà, il a été au bout du bout. Je lui ai dit, sans toi, ça aurait pas été aussi magique. Même si l'idée de fond, c'est moi qui l'ai eu, sans toi, ça aurait pas été aussi bien, non. Voilà, c'est de savoir s'effacer devant la réussite du collectif. Voilà, comme la conférence, dernièrement on a organisé une conférence à IAE avec l'équipe projet, et puis en plus voilà, c'est juste magique, c'est une équipe purement féminine, ça m'a fait drôle au début, elles sont toutes jolies, donc c'est rigolo, et elles sont toutes... mais c'est juste magique, et le jour de la conférence, j'ai bien dit, mais sans elles, sans cette belle team, c'est elles qui ont tout fait, quoi. Moi j'ai trouvé le conférencier, j'ai passé à bord de commande et je n'ai rien vérifié. Ça rejoint de la confiance. J'aurais juste dit, voilà, il faut que ça fasse professionnel parce que s'il y a eux, il faut qu'on ait 130 personnes, pas plus, pas moins, parce qu'on peut pas surbooker. Elles ont géré ça avec une main de maître, une efficacité, elles ont été investies. Enfin, je pense que même si j'avais pris une agence de com, ça va pas être aussi parfait. Donc voilà. Donc elle mérite un grand bravo. D'ailleurs, j'ai un projet pour les faire connaître. D'ailleurs, il y en a une d'entre elles qui a été démarchée par un cabinet de recrutement, c'est top. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ouais, puis je l'ai dit au tout début. Et je l'ai dit au tout début, la sincérité, voilà. Mmh. Être sincère dans tout ce que l'on dit, et là je le suis moins, toujours pareil, en mettant des formes, mais dire les choses. La sincérité, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bien, c'est bien. Et la sincérité, surtout aussi dans le merci ou le bravo, parce que je pense qu'on oublie souvent. Et je dis souvent, moi, plus on remercie, moins on a recadré. Parce que ça aussi, c'est un peu la nature humaine. On aime bien quand quelqu'un nous dit bravo ou merci. Mais aussi, quand c'est pas bien, il faut le dire. Et ça, autour dans les pompiers, c'est beaucoup plus facile parce que c'est un monde un peu plus, plus direct. Mais, dans mon boulot, ça, c'est plus compliqué. Voilà. Mmh.
Voilà. Je vois hier encore, parce qu'on a eu, on a dû se mobiliser assez vite par rapport aux quelques événements des lycéens. Et on me demande, moi, si je pouvais, comme aide d'homme, je pouvais mettre à disposition. J'étais en voiture, je savais pas, donc j'ai fait par WhatsApp un message. Après, on a appelé un autre, et puis il me dit, eh ben moi, on peut pas. Il y en a deux qui me disent, on peut pas, je sais pas qui tu choisis. Je lui dis, écoute, c'est simple. Soit vous décidez entre vous avez 5 minutes ou je fais pile ou face. Et ça, par contre, ça, dans les pompiers, c'est, on voit que ça marche bien. Donc, la sincérité, c'est efficace. Et, voilà, donc, la sincérité, la confiance, je sais plus, je dis, s'effacer. Et l'exigence, mais pour moi, il n'y a pas de bienveillance sans exigence. Enfin, moi, je l'ai vécu. Si j'avais pas eu le niveau d'exigence de Patricia et de Michel qu'on avait cité auparavant, je pense que changer, je serais pas où je sais, où je serais aujourd'hui, même si, voilà, comme on dit, ça pique quand on le dit. Mince, quand même, quoi. Mais voilà, sans leur exigence, c'est leur exigence qui a été bienveillante, en fait. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Même si elle m'a poussé à me sortir de ma zone de confort, parce que voilà, le parcours que j'avais, quand je me suis retrouvé, j'en ai fait des cauchemars pendant pas mal de nuits, mais quand tu te retrouves en Master 2 avec des cours d'économie et autres par rapport à mon parcours, C'était loin, waouh, ça a été compliqué, quoi. Alors, ça allait encore parce qu'il parlait à peu près français en économie, en psycho, en sociaux. Moi, je me rappelle le cours de probabilité, les 3 premières heures, c'était de la révision pour tout le monde, moi, j'ai rien compris, quoi. Donc voilà. Et quand elle m'a dit, en plus c'est pour être diplômé avec une mention, voilà, c'était sympa. Donc, mais c'était sympa, mais voilà. Et tu l'as fait. Comment? Tu l'as fait. Et ben oui, parce que voilà, parce que en même temps, elle savait le faire et puis elle m'avait fait comprendre que c'était juste. Enfin, j'avais envie d'évoluer, je m'étais investi dans pas mal de missions qui avaient été réussies. Elle m'a juste dit clairement, Hervé, tu pourras pas évoluer parce que la France c'est comme ça, t'acceptes ou pas. Il y a des règles, c'est comme aux échecs, hein, des fois, beaucoup critiquent la règle, mais la règle, elle est là, ben, tant pis, on fait avec. Soit on joue avec les règles, soit, eh ben, on pleure et puis on ne joue pas, quoi. Hervé, 2013, tu as écrit un livre sur le management. Oui. Oui, c'est le manuel du chef, c'est ça? Ouais. Si tu C'est devais ça. le réécrire aujourd'hui, est-ce que tu réécrirais exactement la même chose? Ou est-ce que tu changerais certains passages? Oh, forcément, si je devais le réécrire, je changerais des choses, parce que, à un moment donné, je l'ai écrit pendant 3 ans, en fait. Ça a été mon expérience, parce que c'était quand même un gros périmètre, avec 18 centres d'affaires. Plus, parce que je l'ai écrit, en fait, pour la petite histoire, voilà, il y avait mon expérience et tous les petits tests, en gros. Et d'ailleurs, j'avais remercié la direction générale à l'époque, parce que je leur avais dit, en gros, la banque postale m'a permis d'avoir un laboratoire d'essai. Donc voilà, donc j'ai testé des petits trucs qui ressortent dans le livre. Et ensuite, c'est toutes les recherches psychosociales que je faisais ici et là pour nourrir les cours à l'IAE. Et puis à un moment donné, je me dis, tiens, ce serait sympa que je truque sur ça, que je mette un peu d'or. Ouais. Puis à un moment donné, je me dis, tiens, mettre un peu de fil blanc et ça peut-être faire un livre. Voilà comment il est venu. La plus grosse décision que j'ai eu mal à prendre, c'est de dire, allez, il est fini, j'essaie de le faire publier. Aujourd'hui, je pense que si je devais le réécrire, ce qui n'est pas dans le livre, parce qu'il y a de la méthode, il y a des postures de communication, des méthodes opérationnelles pour communiquer. J'y mettrais beaucoup plus de, je pense à beaucoup plus autour des valeurs et du pourquoi. Voilà. J'y ai mis les approches psychologiques de fonctionnement qui me permet de comprendre l'autre et de dire, bah, l'autre, en fait, il est comme il est, il a sa rationalité, il a des choses. Là, chacun a une perception différente qui se doit de respecter. Enfin, ça, j'en parle. Mais à mon sens, aujourd'hui, je définirais beaucoup plus de valeurs, parce que je pense que voilà, la méthode s'apprend, mais le reste, et je commence souvent mes cours comme ça à mes étudiants, quand je leur dis, écoutez, si vous n'avez pas le respect, si vous n'avez pas quelque part l'amour de l'autre, du cœur avec l'autre, ben, vous ne serez jamais un bon manager, parce que ça ne peut pas marcher, quoi. Ça s'apprend pas. Et j'en ai toujours, ben, aller à la Croix-Rouge, aller à la SPA, aller quelque part, et apprendre cette humilité et ces valeurs de donner à l'autre. Quand vous aurez ça, avec de la méthode, vous serez bon. Voilà, donc, je pense que si j'avais le temps aussi, je réécrirais, je travaillerais un peu sur ces valeurs que l'on peut avoir. C'est très très beau, merci Hervé. Bon, peut-être que ça va venir, hein? Peut-être que tu seras inspiré. Il faut du temps, ouais. Il faut du temps, oui. Alors, On a. j'essaie de, c'est pour ça que, et c'est pour ça que j'écris 2, 3 fois par an des tribunes où là, on voit que c'est beaucoup plus des valeurs et des postures que
de la technique pure et dure. Oui. Ce sont des textes qu'on peut lire dans le magazine Action Co. Beaucoup, oui, parce que voilà, c'est parce que moi je suis attaché. Enfin, pareil, j'aime bien la loyauté. Voilà. Donc, c'est vrai qu'Action Co, voilà, parce que quand tu vois mon parcours atypique, c'est vrai qu'à un moment donné, ils organisent tous les ans le concours du meilleur manager commercial de l'année. Voilà, et puis, alors, ils m'ont mis en piste. Après, ça a été une belle bataille. Ça a été sur un projet d'expérience client, de management commercial. Donc là, voilà, ça a été un beau défi pour être sélectionné dans les 100, après dans les 10. Et puis voilà. Et, donc, ils m'ont permis d'avoir ça. Et je suis arrivé deuxième avec, juste derrière le vice-président d'HP. Non, c'est pas le vice-président d'HP, c'est le directeur commercial de Europe de DLC. Voilà, et d'ailleurs, avec qui je suis encore en contact. Le troisième, il était à l'époque vice-président de l'HP France. Et ben, j'ai déjeuné avec lui une quinzaine de jours. Voilà, et ça a valorisé un peu mon parcours et mon audition. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, j'écris que pour eux. D'accord. Parce que pour moi, c'est sympa. Ils ont porté un peu aussi, ils m'ont mis un peu aux lumières. Donc, ouais, donc si ce que j'écris, ils aiment bien, ben, je préfère leur donner à eux qu'à quelqu'un d'autre. Dernière partie, dernière question aussi de cet entretien. L'avenir, de quoi tu as envie encore? Qu'est-ce qui t'inspire? Tu as fait tellement de choses, tu as appris tellement de choses. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font envie? Ou tu dis, ah là, j'aimerais bien évoluer dans cette direction, apprendre telle chose, changer tel aspect de mon parcours. Alors, changer le passé, je n'y arriverai pas. Mais dans l'avenir, moi, ce que j'aimerais bien, c'est être, j'en ai déjà parlé, ma direction soit me mettre plus en recul et voilà, sur la formation à part entière, ça pourrait me plaire. Enfin, parce que j'aurai le temps déjà de continuer à chercher des choses et de raconter un peu aux autres ce que j'ai pu vivre et ce que ça a apporté. C'est voilà. C'est pour ça que j'adore aussi intervenir à l'IAE et l'interaction que j'ai avec les étudiants. Parce que je leur dis toujours, moi, je suis pas un sachant, j'ai une expérience, j'ai des trucs que je connais. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. C'est dans ce débat qu'on va enrichir le collectif. Donc là, je me pose même des fois la question, est-ce que je ne devrais pas essayer de prendre le risque de devenir consultant ou... Voilà, mais bon, j'ai encore des enfants, il y a le crédit de la maison, il y a, voilà, donc, passer du tutoriel, si j'étais seul, je pense que j'aurais passé le pas. Non, mais je pense que je vais m'orienter assez sérieusement vers comment je peux nourrir ma passion aussi de dire ce que je pense. Alors, partage ou partage pas, mais au moins de partager mes convictions et ma vision du management. Et voilà. Et je trouve ça pareil, j'aime bien le faire et ouvrir des débats. C'est vrai que j'aime bien quand je suis invité, comme dernièrement, par le groupe Up à participer à une conférence sur l'engagement, ben, j'y vais avec plaisir parce que ouais, ça me passionne de raconter ma vision des choses. Voilà, parce que l'humain est passionnant. Donc, et si c'était à refaire, c'est vrai que je pense que peut-être que j'aurais fait purement de la recherche, je sais pas, mais l'humain est riche, l'humain est fatigant, c'est pour ça qu'il est riche aussi. Mais voilà, donc. Non, je pense que consultant, je pense que je sais que j'y réfléchis. Je sais que ma femme me dit tu devrais y aller, mes enfants aussi. Donc voilà. Après, je serai peut-être aujourd'hui l'expérience de vie, elle grandit. Donc peut-être que je le serai dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais en tous les cas, une chose qui est sûre, c'est que quand je serai en âge d'arrêter de travailler, c'est sûr que j'irai vers cette voie-là. Alors j'irai avant ou pas, c'est la vraie question aujourd'hui. Mais voilà, c'est parce que j'interviens aussi, puis même, voilà, de manière gratuite, quand on me demande, est-ce que, ouais, ça arrive de temps en temps que les chefs d'entreprise m'appellent pour me donner quelques conseils, et c'est avec plaisir que je leur donne, parce que, voilà, c'est, après, ils prennent ou ils prennent pas, mais, voilà, et, alors je me dis, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui me demandent, tiens, tu penserais quoi par rapport à ça, alors pourquoi j'en ferais pas mon métier? Mais, voilà. Et puis, ça reste dans la logique du partage et d'être là pour les autres, hein, aussi. Oui. Ah oui, complètement. Merci. Autre chose que tu aimerais rajouter? Une dernière phrase, une dernière idée, une pensée pour terminer? Non, je dirais que... Bon, allez, si je devais dire un mot, c'est l'envie, quoi. Voilà. Il faut avoir envie. Et le vrai défi, c'est comment donner envie à tout le monde. Voilà. C'est... Ouais.
Et j'ai la chance de voilà, d'être passionné par l'homme. Et ouais, si on aurait de la chance d'avoir des passions, alors que même que voilà, mon boulot, c'est comme tous les boulots, il y a pas un jour où je peste pas. Parce voilà, il y a des récurrences, il y a des choses qui nous embêtent, mais au moins je sais qu'il y a une chose qui me raccroche, c'est l'envie de faire grandir l'autre. Quand ta collaborateur te dit super Hervé, t'es le meilleur patron que j'ai jamais eu, ben, ça te nourrit ta journée. Donc ça, et c'est voilà. Un alternant à la banque postale, voilà, que j'ai fait grandir avec moi, ça m'a éclaté, voilà, c'est, donc il y a plein de choses comme ça, et c'est une vraie trace, quoi, c'est, voilà, donc, voilà, avoir envie, surtout quand on est manager, avoir envie de faire grandir l'autre, donc, voilà, tout simplement, quoi. Et je pense que une des clés du leadership, c'est ça, quoi, faire grandir, mais bon. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup pour Merci à toi. ce bel échange, pour ces récits d'expérience et de vie aussi. Et ça m'a fait très, très plaisir de t'entendre et j'espère que ça fera plaisir à d'autres aussi de t'entendre. Mais on On va. verra, mais Oui. merci. Merci à toi. Thanks for listening. That was another edition of Leadership Backstage. I hope you enjoyed what you heard, and if you want to know more about me or have a conversation with me, you can get in touch via dsh-internationalhr.com.